Bonjour, Dominique Bordeaux. Nous sommes installés avec Béatrice sur l'exploitation dans l'ouest de la France, tout proche de la Bretagne, sur une exploitation de 42 hectares en production laitière en agriculture biologique avec la race normande. On est installé depuis 1988, peu d'arbres, peu de haies sur l'exploitation dans ces années-là. Nous avons reconstruit le maillage bocager entre 1990 et l'an 2000. Toutes les parcelles sont entourées de haies bocagères qui ont apporté un confort pour les animaux et pour nous, éleveurs, sur un aspect paysage, bocager principalement. Depuis 7 ans, nous développons l'agriculture biologique et principalement axée sur un système herbagé. Sur le système agroforestier intraparcellaire, nous l'avons développé depuis 7 ans. Nous attachons beaucoup d'importance à l'exploitation du système prairial. Déjà la composition des espèces dans la prairie et ensuite l'exploitation dynamique des parcelles d'herbe. Et ensuite les parcelles sont découpées en surface autour de 1 hectare pour un troupeau de 50 laitières. Les arbres étant à l'intérieur de la parcelle, les arbres nous aident à positionner le fil de séparation des parcelles. Et ensuite, l'été, ce fil est enlevé pour que les animaux puissent bénéficier déjà de l'ombre de ces arbres qui ne sont pas forcément bien arrivés à maturité, mais qui produisent déjà de l'ombre. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces animaux adoptent ces arbres à l'intérieur de la parcelle pour y trouver un confort. Dans le système agroforestier, nous avons 4 parcelles en agroforesterie intraparcellaire, avec des parcelles expérimentales avec différentes essences d'arbres qui conviennent à la production de bois d'œuvre. On y retrouve du chêne, de l'alisier terminal, de l'érable sycomore, du merisier, du noyer, du châtaignier. Donc chaque année, nous passons à peu près 10 heures de taille de formation par hectare pour amener ces arbres à grandir. Ensuite, nous avons prévu entre 30 et 50 arbres par hectare et nous avons surtout calculé les espacements entre les lignes pour qu'on n'ait pas de ralentissement en termes de culture, en termes de largeur d'outils, c'est-à-dire qu'on est sur des multiples de 3 ou de 4 mètres. Et donc à chaque passage d'outils, nous tombons forcément juste dans l'installation d'une prairie ou dans la récolte d'une prairie. Nous avons donc choisi d'installer un système agroforestier sur l'exploitation avec un choix énergétique autour des haies qui produisent vraiment de l'énergie pour le chauffage, pour notre maison, mais pour d'autres maisons en commercialisation. Et nous avons donc choisi aussi l'introduction d'arbres intraparcellaires pour une question de confort autour des animaux, autour de la parcelle, du bois d'œuvre pour les générations futures. Et on s'inscrit complètement dans le changement climatique et dans le développement durable sur un choix stratégique qui est l'arbre dans les parcelles, dans des conditions d'élevage.